Comment ça va, mes petits lapins? J'espère que c'est la forme. Comment ça va depuis hier? Moi, ouais, ça va bien. Le petit retour, on revient sur du DBD ce soir. Ouais, comme avant, c'est. Non, comme ça, non, c'est mieux comme ça. Et voilà qu'arrive la prêtresse. Oh là là, c'est la décadence. C'est vraiment la décadence. Elle est là. Elle est parmi nous. Comment ça va la prêtresse? Depuis hier, ça va bien. Allez, on y va, je lance le jeu. On est parti. Comment tu vas depuis hier? T'as passé une bonne nuit, bonne journée, tout va bien? Plus qu'une journée avant le week-end. Envie de jouer à des BD ce soir. Et comme on l'a pas bien entendu quand t'es arrivé, je vais remettre le oulala. On va bien le remettre. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Alors, on est bon cette fois-ci. Le jeu est bien lancé. C'est ready. Il est là. Il est là, DBD. Et depuis hier, hein, si vous vous connectez là tous les jours jusqu'au 17 mai, jusqu'au live pour l'anniversaire de DBD, tous les jours vous recevez exactement, chaque fois que vous vous connectez, 66 666 points de sang. Rejoignez-moi et Gaming Papa demain sur Apex pour monter en rank. Go, go, go. Demain sur Apex? Écoute, pourquoi pas? Tu sais ce qui pourrait être sympa? Il y aura peut-être Pokélune sur Apex. Peut-être qu'il sera chaud. Et si t'es d'accord pour nous carry tous les deux, demain soir, on se fait ça. Hein? Je lui propose demain. Et on voit ça. Sinon, ça sera tous les deux. Ou sur Fortnite, mais il y a des chances du coup. Il y a des chances. Sur Apex. Il a mon compte sur la PS4. Nickel, demain, mon tonton. Oula, ouais, non, mais là, tu vas nous mettre un Predator devant nous, avec nous, là. Surtout qu'on peut pas jouer à 4. Mais on pourra alterner. Ouais, il n'y a pas de souci. Nous, de notre côté, on pourra alterner. Je pense qu'il faudra qu'on le fasse d'ailleurs, ne serait-ce que pour la bande passante. Mais c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Tac. Ça va, Apex demain. Allez, je vais jouer quoi ce soir? On va jouer Survivant. Si ça vous dit de rejoindre, n'hésitez pas aussi. Let's go. Il faut que je gagne 50 000 points de sang. C'est parti. Si Pokélune n'est pas là, mon tonton est là aussi, s'il est d'accord. Pokélune, il sera là. Maintenant, est-ce qu'il voudra être en live demain soir? J'en sais rien. Est-ce que si c'est le cas, est-ce qu'il voudra sur Apex? Je ne sais pas, on verra. Je lui poserai la question, mais moi, je serai là, il n'y a pas de souci. Mais tonton, on va le voir monter, puis après il nous laissera en bronze, quoi. Alors, tu pourrais me mettre modo sur Discord pour s'il te plaît? Non, ma prêtresse, pas tout de suite, parce que le Discord, je ne sais pas encore quel Discord ça va faire, et je pense que c'est possible qu'il n'y ait pas de modo sur Discord. On verra, on verra. Vu que moi-même, je suis pas plus que ça.
Si c'est le cas, effectivement, pourquoi pas. Ou alors, voilà, il y en aura parmi vous, là, les modos sur Twitch, Zach, Matt, toi, on pourra dire bah, qu'il y en a, s'ils le veulent, qui seront modos sur Discord, voilà. On verra. Pour l'instant, je peux pas tout de suite, puisque là, en ce moment, il y a deux Discord. Il y a l'actuel et celui que Zach a créé, et il faut que je me décide de faire la bascule. Et oui, donc 66 666 points, puisque ça va être le sixième anniversaire du jeu. C'est ce que je me disais tout à l'heure en voyant la petite image là, du 6 avec le crâne noir là, qu'on voit tous les ans. J'ai dit, putain, 6 ans maintenant. Ça veut dire que ça va faire 3 ans que je suis dessus. C'est ouf ça. 6 ans. 6 ans. Tu peux une fois m'inviter dans celui de Zach pour que je regarde, s'il te plaît. Non, ça sera la surprise lorsqu'il sera fait. Tu es bien impatient, jeune homme. Détends-toi, calme-toi. Voilà, tranquille. Tout vient à qui sait attendre. Tout vient à point. À qui sait attendre. Timo 1731. 1731, c'est pas mal ça. 1731, c'est un nouveau chiffre. C'est 1731 vers. Vers Alalex. Alalex 12. EMP Dozy 76. Let's go, les gars. Oh là, je suis dans le jaune 100 millisecondes. Qu'est-ce que je pourrais fermer là? À part ma grande gueule. Ok. Tiens, dis-moi si ça fonctionne, la pétresse, si... oui, tu es trop impatient, beaucoup trop jeune Skywalker. Dis-moi si là, quand je vais parler dans 2 secondes, ça change la voix ou pas. Si t'es pas là quand je fais des tests, je sais pas si je vais te mettre modérateur. Hein. Je suis pas sûr. Allez. Non, ça change pas de voix. Ça a pas changé de voix. Et là, non, je pense pas que ça marche là, si. Pas sûr. Donc du coup, je vais cutter ça. Hop, on va juste cutter ça. Pour être tranquille. Ton micro fonctionne plus. Comment ça, mon micro fonctionne plus? Ah, voilà. Donc ça m'a foutu le beans. C'est ce qui me semblait dans... là, ça devrait être bon normalement, les gars. 1, 2... Ouais, là, le micro, il doit être bon. Là, on t'entend plus du tout. Est-ce que vous m'entendez, là? Ok, ouais. C'était que j'étais en train de faire... Oh, le lag. Oh là 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 là. Oh non, le Némésis. Et je me prends un coup à cause du lag? Non! Il est où? Il m'a vu ou pas? Tais-toi.
tous pas. Oh là là. Voilà, il y a des soirs comme ça où... Qu'est-ce que je peux virer ? Ça s'améliore là ou pas ? Pas bien. Allez. Putain, il y a un zombie à côté du sérum. Est-ce que c'est vraiment le moment ? Ça lag et tout. Et lui, il me fait du Michael Myers. Ah, cette pétresse. Comment il va faire avec mon lag et le pauvre ? Ça a marché. Mince. Il va me mettre à la cave. Putain, pourquoi j'ai autant de lag? J'ai rien changé par rapport à hier. C'est ouf ici. Je vérifie juste un truc quand même. Qu'est-ce qui tourne, qui pourrait... C'est tout le bordel. On va fermer ça. J'ai bien envie de fermer ça aussi. Merci Léon. Ça a l'air d'être... Non, pas un peu mieux. Non. Oh là là. Voilà, je vais m'énerver encore. Je suis incapable de jouer comme ça. Arrête, descends! Oh là là, qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi ce soir? Mais c'est pas vrai. Merci. Je vais essayer d'être digne de toi. Tu veux me soigner, s'il te plaît? Oui, je te suis, c'est bon, j'ai compris. Putain. Non. Ah, la chaise. Et la pétresse, regarde. Encore une fois, c'est en faisant les commandes sonores que ça me fait laguer. Et normalement, ça devrait pas marcher là, puisque j'ai coupé le bot. Il doit plus y avoir une seule commande qui fonctionne. Qui est-ce qui respire comme ça, là? Mais non, on la tire pas, crétin! Non, non, on cherche pas. Normalement, il n'y a aucune... Ah, j'ai tout coupé, là. Je mets en cause officiellement les...
commande sonore. Voilà, c'est pour moi, bien sûr. Il est gentil, il me hook pas. Bien joué, Léon. Non, c'est peut-être pas Léon. Pourquoi j'ai bougé? Pourquoi j'ai bougé? J'étais sous la palette. Tu vas pas me tuer là. C'est cool la pétresse. Moi je viens de faire une défaite. C'était ta faute en plus. C'est entièrement de ta faute. Je pense qu'il y a un truc vraiment avec ces commandes sonores. Poisson irisé, c'est bien, bon. Ah ouais, là, si j'ai fait 10 000 points... Ouais, même pas, c'était sûr. Chut. Merci beaucoup, c'est pour ça que je suis une prêtresse. Tu as des pouvoirs magiques. Ouais, mais un peu casse-bonbon. Hein. Là, je penserais pas. C'est la pétresse. C'est la pétresse. Hop, allez, on relance une quand même pour voir si c'est bien ça. Ouais. Je repense à cette map de Raccoon City. J'ai fait perdre des games. Oui, oui, tu fais perdre des games. Oui. Il est content. Oh, bien. Bien ce petit icône là. C'est quoi la musique? C'est la musique qui est pour les gagnants. Power up. Pink, merci. Et non, tu pourras pas l'avoir puisque j'ai arrêté toutes les commandes. Si tu l'as avec le petit outil en plus. Tu l'as vu s'afficher ou pas? Alors, je l'ai chopé il y a peu de temps, donc j'ai pas encore toutes les infos. Ouais, adieu les commandes, c'est pas ton cas, je rigole. Adieu les commandes, ouais, c'est ok. De quoi c'est pas mon cas? Qu'est-ce que j'ai dit déjà? J'ai oublié. C'était, je te mets le titre tel que je l'ai, je sais pas quel est le nom du... C'est ça. DXRK, j'en sais rien, je trouvais ça sur YouTube, j'ai trouvé ça très sympa. Mon cher Sasuke, comment ça va donc? Comment ça va depuis l'autre soir, Sasuke? À chaque fois, ah oui, je remarque un autre truc. Il y a la prêtresse qui balance
les commandes sonores. Et je crois que la dernière fois, Sasuke était là quand il y avait un problème de co aussi. Tous les deux, je vous soupçonne. Ouais. Il y a un truc pas clair. Ça va bien, je te remercie. Quoi de neuf ? N'avais pas eu le temps de trop discuter. Sasugame, pardon. Je t'appelle Sasuke, moi. J'arrête un peu. Sasugame. Allez. Kangaret, Zimna, Jude. Faut que je trouve le bon réglage, là, pour ces... Comment ? C'est dans le graphisme ? L'interface. La TH en jeu. On va remettre à 100%. Pardon, on est là-bas. Là, je suis dans le vert. Ok. Alors, en coupant les commandes. Très très bien. Et toi, tous les combien de temps on reçoit des points, des chaînes ? Bonne question. Je ne sais pas. 10 minutes ? Ah, ok. Ou 5. Ah, super. 10 minutes ou 5. Ou... Je sais pas, parce que là en plus j'ai vraiment coupé le bot où j'avais l'info là-dessus. Et ouais, c'est possible que ce soit les 5 minutes, je crois. Plus les points que tu as en écrivant des messages dans le chat. Plus tu écris, plus tu as de points. Plus tu es actif sur le chat, plus tu as de points. Et plus tu assistes à des lives à la suite, je crois, plus tu en as aussi. Et ça, la pétresse, t'aimes bien cette musique ou pas ? Je l'ai faite pour toi. Let's go. Allez, une game correcte, là, c'est possible. Backwater. Non, ça commence déjà. Oh, putain. Ok, une petite chasseuse. Oh, la base def. On va aller sur Fortnite, là. Des nouveautés sur DVD a vu que tu as joué à Apex, donc il t'aime plus, c'est ça, ouais. Il se veut génial, ouais, c'est comme ça. Quoi de neuf sur DVD ? Des nouveautés en ce moment, donc si tu te connectes tous les jours, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 17 mai, tu as... 66 666 points de sang tous les jours, puisque ça va être les 6 ans de DBD au mois de juin. Et donc le 17 mai, il y aura un live pour expliquer tout ça, même si, bon, je sais pas si vous le savez, hein, je vais pas vous spoil, mais il y a des leaks, hein, y a des choses qui ont fuité, on sait déjà quel sera le tueur et le survivant. Mais ça va être intéressant. Bon, on verra, j'essaierai de le caster. Et sinon, demain soir, je crois. Ou samedi soir. Comment ça, il s'est fait ban ? Pourquoi tu dis il s'est fait ban ? T'as pas banni Sasugame, là ? Il a rien fait. Et samedi ou dimanche soir, on castera aussi... une LAN DBD qui se passe sur Paris avec... Impossible que je fasse quoi que ce soit. Pourquoi tu dis que ça le game s'est fait ban ? Le bot ? Quel bot ?
Bannissement temporaire. Il a dépensé les points pour être ban. Ok. Il dépense ses points. Bah, ça sous-game. C'est quoi le tueur et le survivant? Ah, bah, ça, je vais pas le dire. Je vais pas spoil. T'as juste des petites recherches à faire et. Si tu veux savoir, et. Tu trouveras. Soit la chasseuse est bidon, soit elle est en train de stacker quelque chose. Il est là-bas. Allez, on essaye de faire quelque chose. Ah ouais, faut que je pense à essayer un build. Ah ben, si tu veux savoir, non, je ne pourrais pas te le dire là. Tu fais des recherches. C'est pas compliqué, hein. DBD, nouveau tueur, leak. Let's go. Elle campe ou quoi? Elle est pas loin là, on est d'accord. La lance des hachettes. Ça m'a pas l'air foufou en tout cas. Ça sous game, non. Si je te dis que je veux pas spoiler. Je viens de le dire, les gars. Je te soigne, David. Oh, dis donc. Elle a entendu que je fais son totem ou pas? Cette couillonne. Tu es horrible comme garçon, attention. C'est quoi que j'ai pété là? Tu veux pas que je te soigne, cocotte? Ok, on fait le gène, pas de soucis. Salut mon cher Matt, comment ça va? Et il vient de regarder ça, ce game. tu as bien vu. Moi, je peux quand même voir, comme je suis modo, j'arrive à voir ce message, merci. Merde. C'est bon, j'ai vu le tueur, un genre de... Mais c'est pas vrai, les gars. Oh, vous êtes incroyables ou quoi? C'est ouf, ça. Je sais bien qu'on n'est pas non plus 500, mais... Aïe, aïe, aïe. Je vais me faire défoncer, moi. Ouais, ah ouais, qu'est-ce que tu sais? Bien tranquille, c'est cool, Matt. Fais un peu la police, Matt, là. On a la pétresse qui commence à faire n'importe quoi, là. On spoil pas le prochain tueur, les gars. Il reste un gène, ça devrait le faire. Je suis dans le rouge, quelque chose de bien. Aïe, elle est juste là.
Dis donc, cocotte, tu pourrais pas aller camper ailleurs? Ça a ouvert les portes. Merci, David. Ouais, attends un peu, ouais. Tout à fait. Let's go, enfonce. Oh putain, oh putain. Trois fois, je vais m'y prendre pour sortir. Attention, David. N'importe quoi, j'ai juste décrit un truc. Bah oui, un truc que t'es pas censé connaître ni décrire. Merci les lapins. Allez, 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 allez. Tout droit. Même si jamais j'y arrive, si. Oh putain. N'importe là, les lapins. On y va ou pas, là? On y va, on fait quoi, là? On sort ou pas, là? Oh putain, oui. Oh putain. Esquiver la hachette à cause du lag. Non, parce que j'ai le sens de... J'ai l'instinct de l'araignée, en fait. Dis donc, la prêtresse, tu dis que je dis n'importe quoi, c'est ça? Sachant que ces lignes sont même pas sûres. Tout à fait. Il n'y a jamais rien de sûr, mais c'est la première fois qu'on en voit... voilà, aussi détaillé. Alors, sur Reddit, hein, je veux bien qu'ils fassent des propositions de tueurs, mais bon. À voir. Peut-être, hein. Peut-être que c'est même Behavior qui a joué comme ça. Mais voilà. Bon. Ça serait bien que ce soit pas vrai, en tout cas. The Spider Sense, yes. Parce que franchement, c'est pas ouf, quoi. Ça a pas l'air ouf. Après, je suis toujours preneur de gens purs. Bref, parlons d'autre chose. Hop, on verra bien. Ça me saoule quand même, ce... logiquement, si, parce que ils ont peut-être oublié de mal crypter le personnage. C'est moi que je vais crypter la prêtresse. Change de sujet. On verra. On verra. T'as le droit de spoil quelque chose uniquement. C'est si t'as les numéros du loto. Là, je veux bien. Dans les fichiers du jeu. Ouais. Eh ben, j'en pense du bien, Prop Night. J'y ai joué un petit peu, j'ai beaucoup regardé de stream. Et je trouve très sympa. J'ai joué un tout petit peu, hein, mais j'aime beaucoup l'idée. Je me le suis pris, tu vois, alors que j'y joue très très peu. Mais ouais, c'est un DBD Prop Hunt. J'aime bien les deux. Ah, oh, j'ai pas envie de lancer une game parce que je suis dans le rouge là, mais quelque chose de bien, quoi. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi tu me fais ça? T'es fâché parce que tu connais le leak du perso? Non, je suis pas fâché. Je suis fâché parce que je dis tout à l'heure, voilà. Je sais même plus comment c'est venu. J'ai parlé du leak. Oui, c'est de ma faute. C'est moi qui ai commencé à parler de ça. Mais
Je suis fâché parce que je suis fâché. Parce que j'aime pas quand ma co elle fait ça. Non, je suis pas fâché, t'inquiète. Tu seras juste fouetté et puni. Mais si vraiment c'est ce que j'ai vu, ça serait bien que ce soit pas celui-là, quoi. Parce que ça a pas l'air ouf, quoi. Même graphiquement, oh, tu te dis bon. Bref, on parle d'autre chose. Prop Night est bien. Je suis trop pressé, il arrive bientôt sur console. Sérieux ? Ah ouais, ça va être bien ça. Prop Night sur console, ça va ramener du monde. Qui va souffrir le martyr ? La prêtresse ? Oh là ! C'est même pas... C'est pire que ça encore. De toute façon, moi je m'avance pas davantage sur le prochain DLC. Matt, c'est un sage en fait. C'est... Tu sens le mec qui est serein et qui est... S'affole pas les gars. Je crois ce que je vois. Tout à fait. Je veux pas m'avancer un peu moche. Oui. Ouais. Bref. Effectivement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la LAN de DBD, là, ce week-end, ce que ça va donner. Le personnage, dernière parenthèse. Pour moi. Dernière parenthèse. C'est surtout ce qu'il va y avoir autour de l'anniversaire qui va être intéressant. Les récompenses. Est-ce qu'ils vont nous remettre encore les couronnes? Parce que ça suffit, ça. Les couronnes d'anniversaire. Ce serait bien qu'ils changent un peu, quoi. Honnêtement, j'étais hypé par le premier anniversaire que j'ai vécu. C'était les 4 ans, donc. Parce que c'est le premier que j'y vais, mais déjà c'était un peu redondant l'histoire des couronnes. L'année d'après, pareil. Ce serait bien qu'il y ait du nouveau, une nouvelle cinématique, quelque chose comme ça, une nouvelle. Voilà, écoute, ça sous-game la prêtresse. Si c'est vraiment ça le prochain DLC, ils ont jusqu'à mardi 17 pour le PTB changer les textures, tu vois. Le PTB, je sais pas s'il y en a, je me souviens plus pour les anniversaires. Est-ce qu'il y a un PTB ? Non, je crois pas. Ah si ! Si, c'est vrai, ils annoncent le tueur en live, effectivement. Il y avait Pyramid Head, c'était l'année dernière ? Je me souviens plus. Ah, c'était Pyramid Head. Je crois. C'est l'année dernière, le tueur, c'était... Pour l'anniversaire. Si, il y a un PTB après le live. D'accord. Je me souvenais plus, tu vois. Ce serait bien une nouvelle mécanique temporaire pour les 6 ans. Ouais, un truc, tu vois, où c'est pas tout le temps le même style de récompense, quoi. Et là, ils font les tenues, les couronnes. Qu'est-ce qu'ils faisaient aussi ? T'avais les... Point par 6, non ? Par 5, un truc comme ça, je sais plus. Il y a les gâteaux d'anniversaire, va y avoir voilà, les petits générateurs, les crochets avec les ballons d'anniversaire. Ouais. Bon. Ok. Ouais, je sais pas, je fais le mec blasé. Tu vois, j'attends rien là de cet anniversaire, au moins je serais pas déçu, mais... Enfin, je dis ça, je vois... Bon, bref. C'était Resident Evil, exact. Oh purée, c'est passé vite. C'était Resident Evil. Et c'était Pyramid Head il y a 2 ans, donc. Pyramid Head, c'était pour un anniversaire. Non, même pas sûr. Si, puisque pour les 4 ans, ils avaient fait le 4 en forme de la tête de Pyramid Head. Je pense que... C'est vrai. Et Resident Evil, l'année dernière. Attends, déjà, c'est passé vite. Salut ma chère Noan, comment ça va ? Tu es un fantôme. Regardez pas les gars. Soyez discrets, il y a un fantôme qui rôde sur le chat. Faites comme si vous ne l'avez pas vu. Et ça se passera bien. Merci Matt de rafraîchir ma mémoire. PTB, tout ça, ouais, tu vois. C'est vrai, ils annoncent le tueur. L'anniversaire, il est 2 ou 3 semaines après l'annonce. Et entre-temps, il y a le PTB. Mais bon. Moi, les PTB, vous savez, je les fais offline parce que en live, c'est loup merde. Et je sais pas.
Ouais, je ferai le PTB, je pense. Une journée ou deux, j'enregistrerai des games pour vous montrer comme j'avais fait avec Sadako. Elle me manque Sadako, hein. Non, remarque-moi, s'il vous plaît. Oh, regardez, il y a Noël qui est là. On fait un petit bonjour, un grand bonjour, plein de bisous à Noël. Bienvenue, comment ça va? Tu vois, tu n'aies plus peur, c'est sous game, c'est un gentil fantôme, Noël. J'étais là avant toi. Je me fais rire, la maîtresse. Mais salut. J'étais là avant, mais salut, mec. Il est poli, Matt, la pétresse, c'est pas vrai ça? Qu'est-ce qu'il a ce soir, la pétresse? Oh, j'ai pas coupé la musique là? Ouais! L'obsession s'est échappée? Ah, ouais. Kagoyushi dans la colle. Il veut pas cette map? Le mec, il veut pas la map, il casse ses bonbons à tout le monde. Bah, mon gars. Tu sais quoi? Casper à partir de maintenant. Non, c'est Noan. Ah, si elle veut bien. Bon, mais si elle veut, ok. Noan, c'est ton fils? Pas du tout. Effectivement, c'est ma fille de cœur. Donc, attention, on respecte Noan, les enfants. On prend soin d'elle. C'est une perle, d'accord? Hop, on relance une petite game. Puisque l'autre... Non, c'est pas la map que je veux. Bah si, c'est pas ça. Tueur de mes deux. Non, pas envie de jouer sur cette map. Non, pas avec vous. Il y en a, je te jure. Non, je veux pas jouer. Apex, Apex, Apex. Ouais, c'est bien Apex, hein? Puis à moi, tu me traites. Apex, Apex. Du coup, tu peux changer ta voix. Normalement, oui, mais là, j'ai coupé. C'est pour ça que tout à l'heure, je testais. Oui, j'ai voice mode là pour changer la voix, mais je l'ai coupé parce que ça joue sur le lag, tout ça. Ouais, y a pas de soucis, ma petite Noël. C'est avec plaisir, tu le sais. Fortnite, c'est mieux qu'Apex. Ah ouais. Ça va faire la guerre entre Matt et la prêtresse, là. Attention. Ah, Apex. Non, la prêtresse, elle aime bien les deux. Matt, toi, t'aimes pas du tout Apex. Tu t'as dit que tu jouais plus. Mais t'es pas fan alors. Demain, on va faire du Apex, il y a des chances. Si la pétresse est sage. Ah, gros débat. Ce sous-game n'est pas d'accord. Alors, si je peux me permettre, les enfants. Apex est un bon jeu, voire un très bon jeu. Si, c'était sympa Apex, mais flemme. Apex, c'est un très bon jeu, mais comme je le dis souvent lorsque je joue à Fortnite, et on en parlait encore hier avec Matt,
J'ai d'autres jeux à investir, ouais. Ouais, il y en a toujours beaucoup, effectivement. Mais je suis désolé, hein, mais Fortnite, je pense que Fortnite a la bonne dynamique de jeu. Dans le sens où c'est un jeu gratuit, comme Apex, mais que Apex est bien plus addictif, j'ai envie de dire, bien plus travaillé en termes de marketing, parce que c'est qu'un jeu de... C'est pas un jeu pour... Je vais dire une connerie, pour jouer, c'est plus un jeu pour rapporter de l'argent, bien évidemment, vous l'avez bien compris. Et je trouve que Epic a une très bonne façon de gérer ça, de créer cette addiction à Fortnite. C'est pour ça qu'ils sont encore là, c'est pour ça qu'ils étaient là avant Apex, c'est pour ça que... comment il s'appelle C'est pas EA qui a fait Apex. Je sais plus. Bref. C'est pour ça qu'Apex est arrivé. Hein, c'est pour concurrencer ça. Alors oui, il y avait PUBG avant. C'est le premier, bien sûr. Il y a eu H1Z1. Mais Fortnite est toujours là, quoi. Et Apex, même si je le trouve très bien, c'est pas du tout le même gameplay, c'est plus nerveux, c'est plus difficile, c'est plus rapide. Mais ils ont pas ce côté... ils l'ont, hein, ils essayent de le faire, mais il est pas au top, quoi, je trouve. Comment comparer l'excellence du Battle Royale à un jeu dont seulement la première saison est bien ? Tu parles de Fortnite ? La première saison est bien ? Bah après, tout est relatif. Hein. Moi, je pourrais dire la même chose d'Apex. La première saison, je me suis régalé, quoi. Cette map était... J'ai encore la nostalgie, moi, du premier Canyon King, quoi. C'est mon avis et préférence. Après, j'étais pas obligé d'écrire. Full majuscule. Non, 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 pas du tout. Oui, attention, les modérateurs. Hein. Non, vous avez le droit ici. Exactement, un peu de calme dans les débats, les enfants. Ok, hein, entre Battle Royale, chacun a son avis. Et il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut le respecter. Et c'est pas parce qu'on a un avis, que c'est notre avis le meilleur. Tac. Pas du tout même, j'ai envie de dire. C'est juste de comprendre que on a tous des goûts différents, sinon on mangerait la même chose, on boirait la même chose, on ferait les mêmes choses, on baiserait les mêmes femmes. Et non, c'est pas comme ça. Maintenant, faut pas oublier aussi que il y a un truc qui parle dans ces jeux. C'est le nombre de joueurs. Tout simplement, Apex, il y a eu un gros moment où c'était vide de chez vide au lancement parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations. Il y a eu un peu de monde très très vite, ça a surpris tout le monde, mais très vite, la hype est descendue et pendant quasiment un an, c'était limite et on n'était pas sûr que ça allait continuer ce jeu. Ils ont commencé à capter l'utilité et faire un peu de marketing. Ils l'ont mal fait, à mon avis, puisque c'est trop cher. Merde ! Il était juste derrière moi, il a rien fait, lui. T'as vu quoi ? Ah oui, ils ont changé la musique, comme tu me disais. Non ! Putain, 3 heures après, moi, je... Ah, j'ai pas changé mon build. De quoi? C'est mon avis. Attends. Pour le roi des papas et papas de cœur. Non, c'est mon petit mal. C'est mon avis, une préférence, on peut être pas obligé d'écrire. Ok, zen attitude, exactement. Bref, passons. Battle Royale, il y a mieux. Alors, notre débat. Non, il y a mieux pour toi. Dites, à la limite, au lieu de mettre un point final, mettez toujours dans ce que vous avancez, pour moi. Je n'ai pas brain, là, on est d'accord, c'est pas possible. Je suis pas si bon que ça.
tu le dis pour me faire plaisir ou tu le penses vraiment? Non, non, je suis pas du genre à faire, à dire des choses pour faire plaisir. Je le pense vraiment, ma chère Noëlle. C'est une attitude qu'on n'est pas. Il va falloir, mon lapin, si tu veux, comme tu l'as demandé, être en plus modérateur sur Discord. Il va falloir passer l'examen de zénétitude. Il faut. Pourquoi être tendu du string comme ça? Les discussions sont beaucoup plus calmes et enrichissantes quand on est détendu. Allez, mon lapin. Ça va, je suis content, ça lag moins. Ok. Je veux bien te croire. Avec les petits emotes de notre cher Varg. Moi j'y vais, bonne nuit. Non, tu t'en vas pas parce que. Hein, pétresse. Ça va, t'es pas fâché? Oh, ils ont quoi ce soir là? C'est la fête du slip là ou quoi là? Pas l'impression de casser les couilles les tueurs là? Casse un bras là. Se passe quoi là? Tu peux me donner le lien Discord? Ah oui, c'est vrai, du coup, comme j'ai enlevé la commande, bouge pas, deux petites secondes. Ah, Cassandra, comme dans Assassin's Creed. Oh, je me baisse mon bras là. Non approprié à tous les âges. Heureusement que je n'ai pas en ma possession, mais sinon je le donnerai. Putain, c'est quoi ce modo là? T'as pas l'info du Discord. Je vais te donner ça, mon petit Sasuke. Non, la pétresse, les commandes ne fonctionnent pas. J'ai arrêté le... Je vais le relancer. Qui aime ça? Pizza ananas? Je n'en ai jamais mangé. Ah, une jolie Cassandra, ok. Moins de 16, on va dire. Mais il est amoureux de Cassandra dans Assassin's Creed, lui. Peut-être pour ça, il s'est dit... comment je fais pour voir ce nombre d'heures de jeu? Ah ouais, d'accord. Je vois le genre. Sur DBD. Ouah, le profil qu'il a, lui, c'est Cassandra. Il est amoureux de Cassandra. Assassin's Creed, le mec. Ok, bon. Ok. Il s'est dit, non, je vais pas jouer à DBD, je vais aller faire Assassin's Creed Odyssey, et puis voilà. Voilà, tu vois? Je l'ai pas en ma possession. Tu l'as pas en ta possession? Comment? Qu'est-ce que j'entends? Je suis obligé de relancer mon bot, quoi. Alors. Tu devrais pouvoir maintenant taper point d'exclamation Discord pour avoir le Discord. Je tiens à t'informer tout de même que le Discord va certainement changer dans pas longtemps. La pizza ananas. Tu aimes ça, Noan, donc? Un modo en mousse. J'aurais été lui. J'aurais fait une page libre office avec tous les liens importants. Oh, le Sasuke, le suceur! Mais t'as raison. C'est ce qu'il aurait fallu dans l'idéal, mais bon. Papa, je t'adore, tiens. Non. Oh, merci, ma beauté. Regarde ce que la mousse fait. C'est pas possible. Bonne nuit à toi, la maîtresse. Le mec, tu sais qui... Il a pas aimé, je te confirme. Allez, bonne nuit à toi, ma maîtresse. Mais pars pas fâché, hein. J'aime bien ça. Regarde ce qu'il fait, la mousse. Ah, le pouvoir. En plus. Mais non, pourquoi tu lui effaces son Discord? C'est bon, Sasugame, tu dois avoir le bon Discord aussi. Je sais que tu rigoles, t'inquiète pas. J'espère que Sasugame le sait aussi.
Il lui a enlevé son message. Non, il était trop rigolo, ce message. Je peux pas remettre un message qui a été effacé, moi ? Tu parlais comme ça si tu aurais une fille de 13 ans ? Comment ça ? Si tu auras une fille de 13 ans ? Tu veux dire, est-ce que je parle comme ça à mon enfant, mon fils ? Oui. Tu parles de quoi, Noël ? C'est bon, oui, oui, je sais. Non, tant mieux. Non, je préviens parce qu'il est un peu imprévisible, l'animal. Il y a la pétresse, le côté sanguin comme ça, et ta maths, sagesse, zen et tout. Tu vois, il y a de tout dans les modos qui sont là ce soir. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Ouais, vraiment les gars. Merci encore. Vous me faites rire en plus. C'est cool. Allez, ça lance la game. Tu parlerais comme ça si t'avais une fille de 13 ans. Bah oui, je pense. Parler comment, tu veux dire ? Je pense être un bon papa. Faudrait demander à Pokélune si demain il est avec nous. Parce qu'on dit que les liens sont désactivés et il reteste pour être sûr. Mais parce que je lui ai dit que je relançais le... Comment ? Je l'ai relancé, donc oui, il marche les liens là. Il faut suivre la pétresse. Tu parles avec comme tu me parles, si j'aurais été ta... Ben oui, bien sûr, pourquoi ? Toujours le policier gentil et méchant, c'est ça, dans les interrogatoires, il faut toujours qu'il y en ait un ticket. Et là, tu dis, bon, allez. À moi, tu peux me le dire, l'autre, il est énervé, mais... Tu sais, je vois bien Matt qui dit, la pétresse sort, s'il te plaît. T'es pas censé aller te coucher, toi ? C'est clair, tu vois, même ça se gagne tout de suite. Tu arrêtes de d'enlever les messages. C'est pas possible. Putain, je peux pas les remettre, toi. Non, merci, c'est gentil, Noël. J'essaye. C'est pas facile, hein. Tu verras quand ça sera ton tour d'être maman. Pas facile, hein. Et je dis, ouais, je serai comme ci, comme ça, et puis... Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Ici, il y a toujours le gentil truc et le méchant fil. Oui, on a compris, la pétresse. Allez, va te reposer, maintenant. Je te sors à cran. T'arrêtes d'effacer les messages. On efface les messages que si c'est une insulte ou pas joli. Pas quand c'est une pique gentille. Mais je sais que vous avez de l'humour. C'est bien, c'est l'essentiel. Bravo les gars. C'est pas donné à tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis bravo. Alors, on y retourne. C'est vous qui êtes en or, les lapins. Je sais pas si vous en rendez compte. Allez, ça lag. Ma connexion, elle est pas en or, par contre. Hop, j'avance, je recoule. Comment vous tout? Oula. On a déjà quelqu'un sur le coup. Ça sent le Ghostface. Voilà. Je me disais ça. Oh putain. Quand t'as un mec là, tu sens qu'il y a frisson. J'ai pas changé mon build. Putain. C'est ouf. Je me suis dit, mais pourquoi il y a le bruit de l'infirmière? J'avais zappé cette histoire. Il y a en plus la ruine. Il est où ? Faut pas qu'elle se fasse hit, hein. Je suis allé la sauver. T'es où ? J'ai vu un totem, là.
Ça serait petit pas à la ruine. Juste là. Non. T'inquiète pas, je suis en forme. Eh mince. Je crois qu'il était fatigué. C'est effectivement la différence entre nous deux. Je suis gentil flic. 200 de ping, c'est rien de 100. Je suis sûr que j'ai plus que ça. Bien joué, ça, la ruine et les pitules. Qu'est-ce qu'il y a de space? En tout cas, Meg a l'air de s'amuser avec Ghostface bien comme il faut. Ah. Ah non. C'est fou ce ping que j'ai, c'est clair. T'es sûr que t'es pas fatigué? Non! Putain! J'étais en train de m'échapper derrière ce rocher. Et je reviens derrière l'arbre, quoi. C'est ouf. Qu'est-ce qu'il fait? Il y avait un crochet, il n'y a pas un crochet plus proche? Pokélune, il dort? Oui, 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 il dort. Il fait dodo. Demain soir, il sera avec nous. Pas sur Apex, je pense qu'il va kiffer. Alors, il y a ça et peut-être qu'il voudra faire du... Vous connaissez Poppy Playtime? Parce que lui, il est au taquet. Hein. Il y a le chapitre 2 de ce jeu qui est sorti et je vais télécharger là. Les gars, faudrait pas me laisser passer en P2 là, je vais mal le prendre. Mais bah. Merci bien. Il a 8 ans, il va avoir 9 ans très bientôt. Dans quelques jours, il a 9 ans. Tiens, on lui fera peut-être une petite surprise pour son anniversaire. Ah ouais, ça me fait penser à un truc. C'est vrai? Déjà terminé, c'est pas mal. Une pépite, après, ça n'égalera jamais mon cher Atlas. On est bien d'accord. Alors moi, franchement, Poppy Playtime, le premier... Ouais, écoute. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Vraiment, parce que bon, le jeu, il est pas ouf. Mais il est pas moche non plus. Ils ont fait un effort, en tout cas. Là-dessus, et après, je peux comprendre, hein, les gamins, ils sont à fond là-dessus. Et le chapitre 2, il l'attend tellement. Il est où? Les youtubeurs ont tellement hypé ça aussi. J'arrive. Ah, putain! Non! C'est pas le moment. Il est des hooks. Ah. Ah!
Je sais pas pourquoi je viens là, je vais me faire défoncer. Et voilà. Je vais là-bas, mec. Putain. Du coup, je suis un peu comme ça. Exactement. C'est vrai. C'est pas un peu. Ouais, c'est ça. Vous êtes tous ses frères et sœurs. C'est une boucherie. Il m'a entendu là. Le sang devant là. Meg, elle gère grave. Que je suis là ou quoi? Il entend mes cris. Je pense, c'est possible, ouais. La connexion est plus dangereuse que l'entité. Grave, je peux te dire que c'est le deuxième tueur. Non, je pensais qu'elle était dead. Oh, désolé, je pensais que tu étais morte. Excuse-moi, ma beauté. Viens qu'on se soigne. Il est où? Je suis mort. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es sérieuse, meuf? Tu vas pas farmer parce que vous êtes en train de perdre, là? Non, pourquoi moi? Tu me balances? Tiens, ça, c'est un tueur qui est juste. Donc tu me reluques pas. Moi je demande pas, t'as vu? Moi je réclame pas. Ah, ça va me tomber dessus. J'étais ça, j'ai pas réclamé. Mais faire le gentil hein, si jamais. Faut que tu mettes sorti un pour l'encadrer à côté de toi. Faut que tu mettes sortie. Ah oui, j'ai fait une sortie, c'est la combien de game aussi? C'est la troisième ou quatrième. Après il y en a plein qui sont. C'est deuxième ou troisième du coup qui en a fait en entier. Je crois que c'est la troisième. Il n'y a eu qu'une sortie. Ouais exact, avec la chasseresse. C'est vrai. La pétresse, on n'entend plus, elle a dû aller dormir. Demain, ouais, je vais lui proposer, puisque la pétresse m'a dit, tiens, demain, ce serait bien qu'on se fasse un petit Apex. Il y a son oncle qui est prédateur, ou pas encore, ou bientôt. Oh, je fais des scores, c'est lamentable avec cette connexion. On va arrêter la DBD pour ce soir. Ouais, je vais arrêter des BD là ce soir. C'est... Ah si, le build. Alors. Un build que je voudrais essayer. Quand même. C'est là. Parce que maintenant, j'ai la plupart des...
des percs, donc course effrénée. Enfin, je dis ça, pas encore. Je l'ai. C'est là, je sais plus comment elle s'appelle. Demain, peut-être, ouais. Je te dis, c'est pas sûr. Faut qu'il soit chaud de faire du Apex, faut qu'il soit chaud de streamer. À voir. Sinon, ça pourrait être dans le week-end. Ça, je pense que ça lui parlera. En tout cas, c'est sûr que dans le week-end, il va vouloir faire un stream Poppy Playtime. Ça, c'est sûr de chez sûr que samedi après-midi, on fasse ça. Ouais. Familial, tout à fait. Gaming Papa et Pokélune. C'est ça, veillé. Non. Pour s'effréner. Veillé. Et le truc de Nancy, est-ce que je l'ai? Je suis pas sûr. Qui fait marcher plus vite. C'est celui-là. Conscience de soi, ça a changé comme terme. Et un petit borrow time avec ça. Je vais faire dodo à demain. Bonne nuit, ma chère Noël. Passe une bonne nuit. De gros bisous à toi. Dors bien, repose-toi bien. Ouais, life familiale, comme je disais, c'est moi et mon fils, on fait des streams ensemble des fois. Sur du Roblox, des jeux qu'il aime bien, quoi. Ouais, on va prendre Borrow Time, on va voir ce que ça donne, tiens, ce petit build. Let's go. Et puis... Oula, ça fait du bruit, ça. Merci. Tu vas rire, mais c'est sur Un que j'ai eu mes plus grosses frayeurs. Sérieux? Ah, des fois, ça fait bien jumpscare, hein. Hunt. C'est marrant, juste à ce moment-là, j'ai vu un pote qui vient de se connecter et qui joue à Hunt. C'est vrai que j'y joue. Ah, tiens, peut-être faire un petit coup de Hunt après, pour terminer la soirée. Ah, je les avais pas toutes, hein. Il m'en manque plein encore. Si je lance la game en attendant. Mes plus grosses frayeurs in-game, moi, c'était vraiment Resident Evil 1 ou 2, je sais plus lequel j'ai commencé. Je crois que c'était le 1. Je m'en souviendrai trop, quoi. Le premier jeu vidéo vraiment qui m'a fait flipper, c'est Resident Evil, quoi. Dans un couloir, là, dans le commissariat de Raccoon City, des chiens mutants, là, qui tombaient du plafond. Oh, waouh. Des petits frissons, tu sais, là, pendant la game. Mais un, toi, ouais, des fois, des coups de stress, c'est clair. Je vais essayer d'aller sur Hunt après, même si c'est pas forcément le jeu qui lag le moins en live, mais pourquoi pas. Ah ouais, non, Hunt, je crois que c'est le pire de tous, c'est pour ça que je me dis je vais y retourner, mais ça va être terrible. Ah ouais, non, il faut que je télécharge aussi ça. Mmh.
Moi, le 7, il m'a pas moins bien. Resident Evil 7, je ne suis même pas allé après le 2. J'ai fait 1 et 2. Après, j'ai arrêté. C'est pas que. C'est pas une question d'avoir peur ou pas. C'est vraiment, j'ai plus d'intérêt sur les Resident Evil. J'étais plus Silent Hill après. 1 et 2. Ouais, je crois qu'il y a eu les deux hein, sur PS2. À Toad Sasu Game. Mais après les Resident Evil, j'ai pas joué à un seul. Même j'ai essayé de jouer à un pote qu'il avait sur GameCube le 4. Non, ça y est, c'est. Tu vois, c'était passé. Même là, le 3, le remake, là, je crois, c'est ça. Je dis pas de bêtises, je l'ai encore, je l'ai pas désinstallé. Resident Evil, c'est lequel? Ouais, le 3, là, le remake. Je l'avais jamais fait, je l'ai fait en remake, je l'ai pas fini, mais toujours pas. Tu vois, c'est la première fois, tu vois. Après, ça a pas le même goût, je trouve. Trop habitué. Allez, Soyaï, on a un grec, Noir, un russe, je pense. Ouais, c'est écrit en grec, ça. Ok. Et comment on voit les heures de jeu? Putain, je me souviens plus. Ah voilà, 565 heures, lui, en tout, sur des BD. Bref, c'est pas grave. On va essayer ce nouveau build. Donc, normalement, voilà, quand je marche plus vite que d'habitude. J'ai course effrénée, donc faut que j'y pense aussi à pas courir comme un couillon. Quelle est c'est qui ça d'ailleurs? C'est le trickster? Il est où? On m'a vu? Il m'a vu, oui. Effectivement, il m'a vu. Il m'a bien vu. Et il est pour moi. Voilà, ça y est. C'est pour ma gueule. Ah,
Ne jamais se planquer comme ça. Donne-moi le premier couillon. Fous-moi la paix. Je suis trop bidon. Toujours le même schéma, hein. Le temps que t'arrives, voilà, l'autre il va le ramener. Merci beaucoup. Allez, je te suis, ma beauté. Là-bas ? Ok, tout le monde vient par là. Par contre, c'est vrai que j'ai plus frisson, quoi. Je recharge mon tel et je reviens, j'ai la charge rapide. Pas de soucis. L'habitude de frisson, et voilà quoi. Truc à jamais faire avec un trickster. Il a pas entendu. J'ai fait une game de noob. De noob. De noobard. Mais alors là, j'ai 5000 points. Même pas. Même pas, j'ai 5000 points. Ah mince, j'ai même pas changé les défis. Oh là là. 5000 points, je te l'annonce. Direct. 4254 points. Wouah. Je crois que j'ai jamais fait si peu. Je crois. Bon. Est-ce qu'on insiste encore ? Bon, la poursuite du glyphe. Après, il y a ça. Allez. Ouh là 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 ! C'est bidon ce soir, mais bidon de chez bidon.
Faut que j'arrête de faire ça. J'avais dit que je montais les autres. Déjà, plus de sous. Ouais. C'est chaud, hein. C'est chaud. Ça me saoule, ça. Ça me saoule. Musique pour Twitch, hein. C'est chaud, là. Allez, petite dernière, je pense. Ouais, vraiment dernière. So much better. Alors, on a pour Fall Azami Salami, Mr. Jiggy. 600 heures. Ouais, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur à peu près le même nombre d'heures. What you want? Good luck. What you want? Rien? Qu'est-ce que tu me cherches, wesh? Wesh! Pourquoi? Non, non, non. Allez, go. Petite dernière. Mince, j'ai coursé freiné, qu'est couillon. Les vieux réflexes.
Oh, Bichette. Pour se freiner, mais c'est pas là. Ça va mieux là, en termes de lag, ça va mieux. C'est déjà ça. Allez, viens, on le termine. Avance, tu entends bien qu'il y a des bouteilles qui claquent de partout là. Frisson, c'est pas évident de s'y remettre. Il arrive. D'où tu m'as vu, wesh? Non. C'est cela, oui. Et on va dans les champs de blé. Je suis de retour pour rejouer de mauvais tours. Sasuke Game rentre dans le game. Qu'est-ce qui se fait, Hook? Ah, il joue avec les potions, c'est bien. Il accélère. C'est vrai que j'ai plus prophylaxie. Merci. J'ai oublié qu'il faut jouer ça aussi. Ah merde. Et je me crame, mais... Mais tape ! Vous allez pas me prendre, hein, mais c'est vrai que offline, je suis pas bon en survivant, mais offline, sans tout cela, du coup, c'est toujours mieux que ça, quoi. Bah ouais, maintenant ça court, les gars. Ah ouais, j'ai un gliver, moi, à chercher aussi. Bah, il t'a vu arriver, non? Je vais me le faire, hein, ton totem, là.
Que tu le veuilles ou non. Ah non. Il a l'alerte, c'est pas possible. Allez, un glisse. L'hiver. De quoi me soigner. J'avais oublié ce petit détail. Hein. C'est que tout le monde n'utilise pas encore le totem. Merci, Azami, Salami. Il vient nous voir. J'ai le déhook. Il m'a sauvé tant de fois, ce David King. C'est énervant, tout le monde juge par la qualité. Tu n'as pas une très bonne connexion. Pourtant, tu arrives à animer ton stream avec... Merci. Mania. Ouais, mais tu vois, j'étais justement en train de me dire que ça gave vraiment ce problème de co et que si j'avais la fille, mais je serais 100 000 fois plus détendu, plus à l'aise. Et vraiment, là, je sature quoi avec ces problèmes. Voilà, voilà. 3 heures pour passer une fenêtre. Ok, c'est bien, tu l'as déhook. Elle est où, Mamis? Ça une différente variété de manière, mais pourquoi je l'entends là, lui? Comment il est tombé l'autre là-bas? Mais c'est quoi cette histoire? Je comprends pas là. Il a laissé Slug et tout. Les animations par exemple, ou les sons, et ça, c'est un vrai streamer que... Exemple, je sais pas, moi, Sopalin, rien d'extraordinaire. Il a une bonne connexion, mais peu d'interaction avec sa commu. Et pourtant, une 300 personnes. C'est vraiment pas la logique des gens. Après, tu sais, t'as des gens... Moi, Sopalin, je pense que ça fonctionne bien parce qu'il est très fort au jeu, tu vois. Il est assez à l'aise, moi, je trouve. J'aimerais bien avoir son niveau, en tout cas. Et il y a ça aussi, hein. Faut pas oublier que il y a beaucoup de gens, et c'est normal, qui recherchent du beau jeu, quoi. Là, il y a pas de quoi avoir du beau jeu avec Mako, en survivant non plus, mais c'est vrai que j'essaye de trouver d'autres solutions, mais... Ouais, je te soigne. Après... Ouais, je sais que si j'avais la fille, mais... Non pas, j'aurais le niveau de Sopalin, ça c'est clair, mais... Je pourrais faire plein de choses, j'ai plein d'idées encore, tu vois, les sons, je sais bien de les mettre, mais... Ok, je vais là-bas. Ça me ralentit, quoi, dans la cour, tu vois, cette histoire. Il
J'étais justement en train de penser à ça, tu vois, parce que je voyais le lac, je me dis putain, j'ai envie des fois de, tu sais, de mettre mon PC là où je bosse, parce qu'il y a la fibre, et puis c'est mon patron, et de streamer depuis le taf, quoi. Je pense qu'un jour je vais l'essayer. Cet été, je pense que je vais l'essayer, tiens. Pendant le 15 août, en général, quand je ferme, là, tu vois, peut-être que je ferai... Ah, il est là-haut sur le... Bien joué, David. Moi, si je me fais capter, je suis un homme mort. Alors, où est le dernier gène à faire? Là-bas, au milieu? Là, c'est fait. Ouais, la fibre, honnêtement, je pense que tu montrais alléchant à une vitesse. Bah, tu sais... Je pense aussi, en tueur, en tout cas, ça a été le cas. Il n'y a pas longtemps, je sais, putain, en stream, j'arrivais à rien, de chez rien, quoi, tu vois. Ah, il farme, le gars. Il y a mon glyphe qui est apparu. J'ai entendu. Il est où? Tu veux que je vienne quoi? J'ai entendu mon glyphe. Il est où? Non. Non! Ouais, ce que je disais, c'est que... En offline, un soir, j'en ai marre de jouer à DBD que en live parce que ça va me faire dégoûter le jeu. Donc je me suis dit, tiens, ce soir, je stream pas, je fais que du DBD. J'ai passé une soirée, je suis toute la soirée, j'ai fait 4 kills. Je suis putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je dis pas que j'y arrivais pas en live. Ah, no head. Ok. On va essayer de loop dans la cabane. Ah, la porte est là, mon lapin. Attends, si tu veux, moi je l'ouvre. Ah bah non, on est pareil, on est tous pareil, mon pote. Je suis allé là. La raise. On a vu. Je vais l'éloigner. Laisse-moi communier avec mon glyphe, s'il te plaît. Laisse-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Ah, il va croire que je le teabag. C'était pour lui dire merci. Il est plutôt sympa, hein, parce que franchement, là, il veut s'amuser. Ça serait mérité. Mes jeux solo préférés. Quand tu entends solo, c'est pas forcément online, quoi. Ah, tu veux que je vienne avec toi? C'est ça? Ouais, il a respecté de ouf, quoi. Ah, tu veux que j'aille là-bas? Non, laissez-moi. Merci. Il veut quoi? Il veut chase? Il veut quoi? Ah, il a ouvert la porte. Mais j'ai rien à t'offrir, mon lapin. Merci. C'est très gentil.
Mais j'ai rien, moi, à lui laisser. Une grenade? Il est où? Là-bas. Non, la tue pas! Comment on fait pour poser? Il est trop sympa, celui-là. Alors, Last of Us, Uncharted, Until Dawn, Dark Picture, etc. Et j'en passe. Oh merde! En solo, mes jeux préférés en solo. Ah, je peux pas répondre ça parce que c'est plus vrai aujourd'hui, mais les anciens Assassin's Creed. Ghost of Tsushima. Ok, on s'en va. Merci, monsieur. En solo, Red Dead Redemption 2. Ouais, vu les derniers Assassin's Creed, je mettrais RDR2 en premier. Ouais. The Last of Us, j'ai pas accroché, mais je comprends qu'on puisse aimer. Uncharted, pareil. Until Dawn, jamais joué. Dark Picture, attends, si je l'ai, je crois que je l'ai jamais lancé encore, il me semble. C'est lequel, tu m'as dit? Ouais. Ah ouais, Red Dead, c'est... Je pense que t'as dû, comme beaucoup de gens qui ont joué à The Last of Us, mince. T'as dû avoir des émotions, pleurer, moi j'ai chialé avec Red Dead, tu vois. C'est ça qui m'a fait dire waouh. Waouh. Ouais, alors, effectivement. Toutes les... Comment ? Tous les Until Dawn, je les ai. Je les ai jamais joués. Je les ai pris parce que je sens que ça va être une tuerie, mais j'ai toujours pas joué. J'ai vu genre Squeezie, comme j'ai pas voulu me spoiler, Squeezie faire 2-3 lives là-dessus sur les premiers chapitres et ouais, je pense que ça va être de la bombe. Faudrait que je les fasse un jour. Mais il y a ouais, non, j'allais dire The Medium là qui est sorti il y a un an ou deux. J'ai été très déçu par la fin Cyberpunk. Très déçu. Ouais, je reste Assassin's Creed, Ghost of Tsushima, Red Dead. Je regarde un peu là de ce que j'ai. Faut que je regarde sur tous les jeux que j'ai fait depuis que je joue au jeu. Oh, il y en a tellement, mais c'est celui-là qui me marque le plus. Là je vois, il y a Beyond the Steel Sky. C'était sur Amiga. Il était génial, ce jeu. Control aussi, qu'il va falloir que je teste. J'ai toujours pas joué à Control, mais qui a l'air bien. Ah ouais, là, alors Elden Ring, j'avoue, est un bon jeu, mais je le mets pas dans mon top 3, moi. Tu vois, c'est... Il est bien, hein, y a pas de souci, mais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y en a un, là, tout récent, que j'ai bien aimé, qui est Ghostwire Tokyo, que j'ai pas fini. Je pense que je terminerai pas, parce que c'est le problème. C'est un peu répétitif, quoi. Et Assassin's Creed, c'est très répétitif, beaucoup trop. Cyberpunk, c'était pareil. Les God of War, pareil, je l'ai, là, je l'ai commencé. Tu vois, je suis pas hypé par ces jeux parce que je les ponce plus, quoi. Les jeux avec décision, pour moi, les meilleurs. Ouais, mais Claire, Détroit, Heavy Rain. Tous les jeux de... Comment il s'appelle cette maison d'édition? J'adore. Trop court à mon goût. Mais ils sont géniaux.
bien sûr. Mais trop court. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Les Little Nightmares sont bien aussi. Oddworld. Ah ouais, ça c'était sur PS1. C'est un des premiers vraiment qui m'a happé et que j'ai pensé en 2 jours, je crois. Ouais, trop court, mais vraiment excellent. J'ai hâte que les capacités des machines permettent de les faire bien plus longs. Ça va être ouf. Okami sur Wii. Ah ouais, très très bon jeu Okami. Tous les Ori and the Blind Forest, j'adore. C'est pas mon top 3, mon top 3 je te l'ai donné vraiment. Tac tac tac. Et encore, il n'y a pas tout, c'est que les jeux. Non, Red Dead effectivement, Little Nightmare 3, annoncé en décembre. Ah 2023, cool. J'allais dire Sea of Thieves, mais non. Les South Park, ouais. South Park, j'ai bien aimé. Il y en a un que j'ai bien aimé aussi, c'est Spiritfarer. Très joli jeu. Tu parles de quoi? De Little Nightmare ou de Sea of Thieves ou de South Park? C'est trop bien, enfin, quelqu'un qui la comprend. Ouais, tu vois, j'ai Dark Picture Anthology. Ouais, il faut que je les lance aussi. Je sais pas fait. The Evil Within, je l'ai pas joué. C'est Varg qui m'avait fait gagner. Il paraît que c'est pas mal. Là, il y en a un. Bon, tout récent, je peux pas te dire encore s'il est excellent, mais Trek to Yomi, qui a l'air vraiment bien, qui est sorti la semaine dernière. Voilà. Après, oui, dans les jeux d'horreur, j'ai été agréablement surpris par Layers of Fear 2, qu'on a fait l'année dernière, je crois, en live. Waouh, très très beau. Très très beau jeu, vraiment. J'ai bien aimé. Je suis sorti, là, au fait, ouais. Bon. Ah, ouais. Ori, Breath of the Wild. J'ai pas fini Breath of the Wild. J'ai tellement de jeux que... Là, que je me rends compte, là... Et c'est ce que je me rends compte, là, en discutant avec toi, c'est que la plupart des jeux que j'ai commencé et que je pense que je les terminerai, c'est que des jeux solo. Il y a très peu de jeux comme DBD, comme Fortnite ou Apex qui sont installés, quoi. Voilà, en gros, Hunt, DBD, Fortnite, Apex, Propnite. Ah si, Phasmophobia, tu vois. Ouais, non, je dis des bêtises, ouais. Mais les Ori, c'est trop bien. Et Zelda Breath of the Wild aussi. Vraiment exceptionnel. Même si je l'ai pas fini. Ah ouais, parce que sur Switch aussi, il y a des jeux que... Très très bonne question. Je ferai une tier list un de ces jours, tiens. Ça pourrait être intéressant de faire la tier list des jeux. Les jeux de gaming papa. Bon, en tout cas, mon petit lapin, un jeu qui devient beaucoup à la mode sera Sea of Thieves. Ouais, moi je suis sur ce jeu pas tout le temps, mais ça fait... J'ai l'impression que ça fait longtemps quand même qu'il est bien à la mode, là. Je crois que... Non, j'ai pas acheté un PC pour Sea of Thieves, mais c'est l'un des premiers jeux où je me suis dit « Ah yes, ça je vais pouvoir y jouer enfin, quoi. » Donc vraiment, je l'ai pas lâché. Et le problème avec ce jeu, il est tellement bien, c'est que là, si je commence une game, c'est jusqu'à demain matin. Je ne m'arrête pas. Tu dis « Allez, ça, faut que j'aille le vendre. » « Ah putain, je suis pas loin là, j'ai pris une carte et une bouteille, ici, à ça, tiens. » Il est exceptionnel, Sea of Thieves. Un de ces quatre, on en fera un peu. J'en ai jamais fait en live, je crois. Ah, si, une fois avec Reaper, ouais. Enfin bon, si tu joues à Sea of Thieves, tu vois, c'était un truc que je voulais demander ce soir. Je me suis dit, tiens, il faudrait que je leur demande sur le chat s'il y en a qui jouent à Sea of Thieves. Mais pourquoi pas se faire une petite virée, un de ces quatre. Ça serait cool. En tout cas,
Les petits lapins, mon cher Sasuyem, ça va être le moment de nous dire au revoir, certainement à demain soir, probablement avec Pokélune, nous verrons ça. En tout cas, passez et passe une excellente nuit, plein de bonnes choses à toi, dors bien, bonne journée demain et on se retrouve demain soir. De gros bisous, ciao ciao.